des milliers de personnes qui convergent, Seigneur, pour te dire que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour des choses. Premièrement, d'abord, nous sommes là pour toi. Te remercions de ce que toi aussi tu es là. Tu as dit, lorsque deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous te remercions de ce que tu es là au milieu de nous. Et notre désir, ce n'est pas juste que tu sois là, c'est que tu t'exprimes, tu te manifestes, tu te révèles, que l'on te voit, que l'on te vive, que l'on te constate, que l'on t'atteste, que l'on te constate, t'atteste, t'exprime, te rend visible, te glorifie. Alors merci de ce que ce soir encore, au soir de notre première semaine, Seigneur, nous regardons en arrière. Une semaine déjà, et tu as tellement fait. Tu as tellement rempli, conquis, embrasé, consumé, visité, libéré, délivré, guéri, vivifié, fortifié, consolé. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette convocation. Les corps, c'est vrai, sont sollicités. Mais l'esprit jubile à l'intérieur. Alors nous te disons merci, Père. Notre homme intérieur est fortifié. Il est saisi, il est oint, il est embrasé. Merci pour l'armée, le peuple, Seigneur, que tu es en train de construire, de réveiller, que tu as pris par la main et que tu es en train de tirer vers le haut pour l'amener de gloire en gloire. Depuis le premier jour, tu nous as pris par la main. Et nous sommes émerveillés par l'Esprit, la manière dont tu nous conduis, Saint-Esprit. Nous sommes émerveillés par ta fidélité. Nous sommes émerveillés par tes bontés, par tes compassions, par ta capacité à nous faire entendre le son de ta voix, à nous faire voir ce que tu es en train de faire. Merci de ce que cette grâce ne repose pas sur une personne, mais elle est déversée sur un peuple. Et à la fin de ces 21 jours, c'est une armée qui sera montée, Seigneur. Monter plus haut, monter de gloire en gloire, et qui ne redescendra plus jamais, et qui n'ira désormais que de gloire en gloire. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Disons Jésus, Jésus. Nous sommes là. Oh God, just for you, Jésus. We are here, Lord. Nous sommes là. To meet you, Lord. Jésus. Te voir, te vivre, te rencontrer, t'expérimenter, pour t'aimer, te faire plaisir, faire ta volonté, pour entrer dans le lieu secret, pour être conduit par toi, Seigneur Jésus, le chemin, la vérité et la vie, l'avocat, le médiateur, l'intercesseur. Le fondement, le bouclier, nous sommes le salut, la délivrance, le bienfaiteur, le guérisseur, nous sommes là, nous sommes là, reconnaissants, oh Jésus. Le chemin qui nous emmène au Père, le chemin qui a inauguré une route nouvelle au travers du voile, par le sang de la rédemption. Le sang a frayé un chemin, le chemin d'accès à Dieu le Père. Le sang a frayé, ton sang a frayé le chemin d'accès à la justice de Dieu. Nous aurions dû être condamnés, nous aurions dû être damnés. Mais tu as vu le sacrifice de Jésus et tu nous as accordé la vie, tu nous as épargnés, pas à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause du sang, à cause du prix payé, du sacrifice offert à la rédemption.
Jésus. Sans toi, il n'y aurait pas le Saint-Esprit. Tu as frayé le chemin pour le retour à l'intérieur de nous, du glorieux Saint-Esprit, de la présence de Dieu, de la personne du Père. Et le héros dans l'histoire, le héros c'est toi. Voilà pourquoi Sophonie, au chapitre 4, Sophonie dit de lui qu'il est le héros qui nous a sauvés. Le héros qui sauve c'est toi. Oh, si tu n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu l'Esprit. L'Esprit est trop saint, il ne pouvait pas revenir dans des vases souillés. Il fallait que le sang soit versé pour nettoyer les êtres humains. Et c'est toi qui as écrit cette histoire. C'est toi qui as quitté l'éternité, qui as fait le voyage que personne n'a envie de faire, a fait le voyage qu'aucun ange ne voulait faire. Personne n'était capable de le faire. Alors c'est toi-même, aucun ange, aucun chérubin, aucune voix, aucune créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'a pu élever la voix, n'a pu répondre lorsque la question a été posée dans le ciel. Qui est-il d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? Jean a témoigné, il a dit je regardais dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Aucune créature dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre ni même de le regarder. Alors Jean, saisi d'angoisse, a dit mon Dieu, la création humaine, la race humaine est destinée à l'enfer éternel. Alors il n'y a plus de salut, il n'y a plus d'espoir pour les êtres humains. Et là, un ange a tapé sur l'épaule de Jean. Il lui a dit ne crains pas petit, ne crains pas Jean, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Oh, et là soudainement, on a vu un agneau. Il s'agissait de mon grand frère. Il s'agissait de héros qui m'a sauvé. Oh, je... Aïe, aïe, aïe. Oh, je... Le héros qui nous a sauvés, le chemin, la vérité, la vie. Sans toi, l'Esprit ne pouvait pas venir. Sans toi, l'Esprit ne pouvait pas se répandre. Parce que l'Esprit n'était pas encore venu. Il fallait frayer le chemin pour l'arrivée de l'Esprit à la Pentecôte. Et c'est toi le héros de l'histoire. C'est toi le sauveur. Oh, c'est toi le rédempteur. C'est toi le souverain sacrificateur, celui qui allait présenter au Père, qui allait devant la cour céleste de justice, pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des taureaux, pas avec le sang des moutons, mais avec son propre sang. Et devant la cour céleste de justice, il a dit, Père, voici le sang de l'expiation, voici le sang pour racheter l'espèce humaine. Et la voix du Père, le juste juge, a retenti et a dit, approuvé, sang approuvé. À partir d'aujourd'hui, il n'aura plus besoin d'aller consulter des marabouts. Il n'aura plus besoin d'aller dans les forêts, dans les lacs. Il n'aura plus besoin d'offrir du sang humain. Un seul sang a été agréé par la cour céleste de justice. J'ordonne qu'à partir de maintenant, à la mention de son nom Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh Jésus, nous sommes. Il est le héros, il est le héros. Aucune autre créature, aucun ange, aucun saint, aucun mort, aucune divinité, aucun autre des dieux en dehors de Jésus le Christ, en dehors de Dieu le Père, en dehors du Saint-Esprit. Il est la dimension de Dieu qui a quitté l'éternité et qui a quitté, il n'a pas renoncé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même, il a renoncé à son omniprésence, il a renoncé à être omnipotent, il a renoncé à être omniscient. Il s'est rendu en tout point dépendant uniquement du Saint-Esprit. Parce que tu dois comprendre qu'avant de venir sur la terre, il ne dépendait pas. Il est Dieu par lui-même. Il a la vie par lui-même. Il donne la vie par lui-même.
Mais quand il est venu sur la terre, il a dit au Saint-Esprit, avant de descendre, Saint-Esprit, je vais comme un être humain là-bas. Je descends comme un être humain. Alors j'ai besoin de toi. Je vais montrer aux êtres humains à quoi ressemblait l'être humain avant la chute, lorsqu'il était censé dépendre de toi. Oh, il est le modèle, il est le prototokos. Ah, la dose que tu as. Il est le seul chemin, la seule vérité, la vie éternelle. Celui qui m'a ramené au Père. Il est le seul vainqueur de la mort et du séjour des morts. Il est le seul qui est descendu aux enfers, qui est allé voir là où il y avait des prisonniers, qui est allé confronter Satan et lui a dit, donne-moi les clés. J'ai vaincu un innocent. Un innocent a été condamné. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'aurait pas dû mourir. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'aurait pas dû mourir parce qu'il n'a pas péché. En fait, le faire mourir, c'était une faute. Il ne fallait pas. Parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Mais quelqu'un qui n'a pas péché n'avait pas le droit de mourir. Et pourtant Satan l'a fait mourir. C'était ça. C'est là où il a été lobé. Il n'a pas vu. Alors c'était une mort injuste. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Il n'avait pas le droit de pécher. Il n'avait pas le droit de mourir. Parce qu'il ne s'est trouvé en lui aucun péché. Parce que le diable n'a pas compris. Cet homme n'était pas né d'un homme. Il n'est pas né de Joseph. Non, c'est son père adoptif. Il est né d'une femme. Il est sorti par une femme. Mais il était la semence de Dieu. Ensemencé à l'intérieur d'une femme appelée Marie. Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh, lorsque le diable l'a crucifié, le diable a dit aux gens, tuez-le. Il ne savait pas qu'en incitant la foule à le tuer, il était en train d'être lobé par la sagesse infiniment envoyée de Dieu. Le gars n'a pas vu la balle arriver. Il est sorti, il pensait qu'il allait arrêter. Et puis Jésus a mis la balle par-dessus lui. Oh, nous louons la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous louons la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Il est la justice de Dieu. Malatosi qui était là-bas. Oh, nous te contemplons. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oh, we are here for you. Hero, nous sommes là, Jésus. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever les mains et lui dire, oh Seigneur, je suis là pour toi. Oh, je ne suis pas là pour un homme, je suis pas là pour une église. Je suis là pour toi, Seigneur, héros de ma vie. Oh, mon rédempteur, mon bien-aimé, mon bouclier, mon époux, mon bienfaiteur, mon bâtisseur et mon rocher. Oh, Jésus, ma rançon, le prix payé pour ma rédemption. Oh, Jésus, celui qui est parti me préparer une place afin que je sois éternellement avec lui. Celui qui m'a aimé le premier. Tu m'as tellement aimé que tu as dit au Père. Dans Hébreux chapitre 10, je crois qu'à partir du verset 5 ou verset 6, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors j'ai dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens au Père pour faire ta volonté. Tu
Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Le Père a dit, les sacrifices et les holocaustes ne suffisent pas à purifier l'être humain totalement. Voilà pourquoi ces sacrifices et ces holocaustes, il fallait les faire tous les jours, il fallait les offrir régulièrement. Dieu ne l'a pas approuvé. Et un jour, le Père a dit, qui ira pour nous? Qui enverra nous? Qui est-ce qu'on va envoyer? Qui ira pour nous? Pour relever cette humanité et pour fermer cette bouche du diable, pour le désarmer, le dépouiller, le vaincre et vaincre la mort qui va mener et vaincre le séjour des morts. Qui ira pour nous? Qui enverra-t-on? Esaïe 53, dit au verset 3, je crois. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, humilié, puni, frappé, humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, il était blessé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous a donné la paix à nous est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Sans lui, il n'y a pas d'éternité. Voilà pourquoi il est écrit qu'il n'y a de chemin, il n'y a de salut en Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. Sans lui, il n'y a pas de vie nouvelle. Sans lui, tu gardes la même vie. Tu changes juste l'apparence extérieure, mais impossible de changer l'intérieur, impossible de vaincre le péché, impossible de dominer la loi de l'est, la loi du péché, de la mort qui agit dans tous les êtres humains. Sans lui, la religion peut te faire changer de vêtements extérieurs, mais sans lui, tu ne peux pas vaincre les voies intérieures, tu ne peux pas renverser les forteresses, tu ne peux pas déloger le diable, tu ne peux pas briser l'emprise de la sorcellerie. Sans lui, tu ne peux pas. Si tu vas voir un sorcier, il va te débarrasser d'un sorcier, mais il va te mettre ses propres démons à lui. Sans lui, il est impossible de ne pas être oppressé. Sans lui, il est impossible de ne pas être tourmenté. Sans lui, il est impossible de ne pas être esclave. Sans lui, c'est impossible. Il n'y a de salut en aucun autre que lui. Il n'y a de salut. Oui, bien-aimé, merci. Merci, tu as compris. Voilà pourquoi tu es en train de l'acclamer. Parce que sans lui, il n'y a pas de salut. Sans lui, il n'y a pas de changement d'identité. Sans lui, il y a les religions, mais il n'y a pas de changement d'identité. Sans lui, il n'y a que des Adam. Quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, ton être intérieur, ton esprit appartient à la race des Adam. Mais il est venu inaugurer une nouvelle race humaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas seulement venu te guérir. Il est venu commencer une nouvelle race humaine. Voilà pourquoi il est appelé le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de la création. Colossiens 1, à partir du verset 13. Car en Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé pour lui et en lui. Et toutes choses subsistent par lui. Il est la tête du corps de l'église, mon frère, ma soeur. Et j'aime cette partie où il dit, il est le prototokos, dit le mot grec. C'est-à-dire, il est le commencement. C'est-à-dire, le point de départ. Il est l'alpha, le point de départ. De quoi? D'une nouvelle race humaine, d'une nouvelle espèce humaine. Le corps n'a pas changé, mais le résident a changé. Sans lui, c'est la religion. Sans lui, ce sont les récitations. Il n'est pas venu pour la religion. Il est venu pour commencer. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Oh, laisse-moi acclamer le héros qui m'a sauvé. Aïe, Akatalema, Otosia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dresser une salve? Une salve? Une salve? Oh, est-ce que tu es en train de lui dire, Jésus, oh, je suis là, nous sommes les rachetés, les assoiffés, les amoureux, les passionnés, les disciples, l'épouse est là pour toi. Aïe, 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 nous sommes là, nous sommes là, oh, Jésus.
reçois l'adoration de l'épouse. Reçois l'adoration. Il y a quelqu'un qui est amoureux comme une épouse qui veut son époux. Oh, l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, celui qui soutient l'univers par sa puissante parole. On l'appelle, avant de venir sur la terre et d'être appelé Jésus, on l'appelait la parole de Dieu, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui existe depuis le commencement, la parole qui a soufflé pour que tu existes et que j'existe. Il a fallu que la parole ouvre la bouche et souffle. L'Éternel souffla, il a fallu qu'il souffle à l'intérieur. Oh, il est le potier, celui qui a créé mon esprit, mais pour mon corps, il a façonné, il a tiré les profondeurs de la terre, il a pris la poussière de la terre, et puis il a façonné. Il est à la fois le créateur et le fabricant, il est le manufacturier, il est le potier, il est tout pour nous. Oh, il est tout. Voilà pourquoi, quand ce corps est malade, quand cet esprit est perdu, il est le créateur qui ramène la création à lui. Mais quand ce corps est abîmé, il est le potier qui s'est façonné les pièces détachées et guérir ce corps, le guérir. Il connaît, c'est lui qui a fait en sorte, c'est lui qui a créé la génétique, les gènes, quelle que soit la maladie. Il est capable d'intervenir dans les gènes, d'intervenir dans le système immunitaire, d'intervenir dans les organes, d'intervenir dans le cœur, dans l'âme, le corps. Il est capable parce que c'est lui le manufacturier, c'est lui le créateur. Alors élevons-le. Oh, dis-le, dis-le. Il n'entend pas que tu es là. Il n'entend pas ta voix. On n'entend pas ta voix. Alors tu l'as monté. Nous sommes là. Nous sommes là. Les anges. Oh, dirigé. Alors vas-y, assemblée, église. On t'entend pas. Oui, vas-y, vas-y, monte au niveau 1,1, vas-y. Au niveau 2, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, bien-aimé, tu n'es pas en train de chanter pour le pasteur. Tu es en train de lui faire une déclaration d'amour et de le crier à plein gosier. C'est ça, c'est à lui que tu t'adresses. Il faut que le ciel entende la voix de ton adoration. Et il faut que le ciel, il faut que ce plafond soit spirituellement percé. Oh, oui, c'est ça. Les anges sont en train de dire, allez-y, essayez de faire comme nous, essayez de faire mieux. Oh Seigneur, je ne laisserai pas les anges faire mieux que moi. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas connu la chute comme moi. Ils n'ont pas connu le besoin de la rédemption comme moi. Moi, j'étais perdu. Il est venu me rattraper dans les profondeurs de la boue du péché, dans son amour. Il a quitté le ciel pour moi. Il n'a pas quitté le ciel pour un ange. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de laisser un ange est plus reconnaissant que toi, parce que c'est pas pour un ange qu'il a quitté, c'est pour toi et moi. Voilà pourquoi je crierai à plein gosier. Oh, vas-y, monte au niveau 4. On y va, oui, c'est ça. C'est ça, le cœur, le Père prend plaisir. Il voit ton zèle, il voit ton désir, il voit ta ferveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'es pas en train de chanter, tu es en train d'invoquer. Tu n'es pas en train de chanter, tu es en train d'appeler le maladosia. Oh bien-aimé, tu vas voir ce soir. Oui, c'est bon, tu es arrivé au niveau 4 et demi. Oh, lève les mains. Lève les mains et dis-lui, nous sommes là, tous ensemble disant que la francophonie entend,
que les extrémités de la terre, l'Europe, l'Afrique, la Caraïbe, l'Amérique, l'Asie, l'Archipel, les pays du monde entier entendent Jésus. Oh bien-aimé, tu permets de t'habituer à ça, parce que le temps vient, un jour vient, où toutes les nations de la terre, toutes les nations fléchiront le genou et appelleront son nom. Ils appelleront, même Israël va l'appeler, la Bible dit, ils tourneront les yeux vers celui qu'ils ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront lorsqu'ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec les anges et une très grande gloire. Et bien-aimé, il viendra avec les saints, et tu sais quoi, je ferai partie de l'escorte, tu feras partie de l'escorte de ceux qui vont venir. Oh, lorsque ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, lorsqu'il viendra sauver le peuple d'Israël, bien-aimé, nous aurons déjà été enlevés, nous aurons vécu les noces de l'agneau, et à la fin des noces de l'agneau, nous reviendrons avec lui établir le millénium, le règne millénaire. Oh, paladroya la main. Et je serai avec mon grand frère, je serai avec mon époux, je serai avec mon rédempteur. Oh, vous, Jésus. Oh, louange, honneur, gloire, sagesse, force, action de grâce à l'agneau, à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Qui m'a sauvé, le prince des rois de la terre, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, il n'est pas le deuxième. Il est digne d'être honoré, il n'y a de salut en aucun autre. Nous sommes là, nous sommes là. Jésus, j'aime. Oh, lève les mains, lève les mains. Nous sommes là, Jésus. Oh, par la tasse et par la. Ah, chalatalama. Oh, le Saint-Esprit dit, regardez-le, regardez-le. C'est lui votre héros. C'est lui le plus magnifique des chefs d'État. Contemplez-le, contemplez l'agneau, contemplez l'époux, contemplez sa majesté, la parole de Dieu, le Créateur. Oh, contemple-le, contemple-le. Il est le prix de ta rédemption. Juste pour toi, juste pour toi, juste pour toi. Oh, oh, nous sommes là pour te voir, pour te vivre, t'expérimenter, te rencontrer, te toucher, te vivre, vivre qui tu es, vivre ton héritage, vivre ta vie, te glorifier, te rendre visible, pour t'aimer comme tu nous as aimé le premier. Pour marcher comme tu as marché dans le surnaturel divin, pour être tes témoins dans notre époque. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là pour nous abandonner. Nous sommes là pour t'adorer. Ça veut dire nous offrir comme des sacrifices vivants. Nous sommes là pour te connaître. Nous sommes là pour te suivre comme des disciples. Nous sommes là pour être construits par ton esprit et par ta parole. Nous sommes là pour te refléter. Nous sommes là pour te
glorifier. Nous sommes là pour te ressembler. Jésus, nous sommes là. Pour être utilisé, pour être tes témoins, pour être tes instruments. Jésus, pour te rendre visible, nous sommes là, on vit pour ton plaisir. Enseigner, pour être instruit, pour être conduit, pour être rempli, pour être oint par toi, pour être assaisonné, pour être baptisé, pour être vivifié, pour être fortifié, pour être embrasé, pour être guéri, afin de devenir des libérateurs, pour être sauvé, afin de devenir des sauveurs, pour être délivré, afin de devenir des délivreurs, pour être libérés, afin de devenir des libérateurs, pour être transformés, afin de devenir des transformateurs, afin que l'on dise de nous, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Oh, Jésus, pour être instruit par toi, pour être façonné par toi, Jésus, pour être rendu conforme à toi, Jésus, pour connaître tes voies, pour suivre tes pas, par le Saint-Esprit. Nous sommes là pour faire ce que tu as fait, les mêmes œuvres, et faire des plus grandes œuvres que celles que tu as faites. Parler à des plus grands publics que ceux auxquels tu as parlé. Manifester une dimension de miraculeux supérieure à celle que tu as manifestée. Parce que c'est ta volonté, c'est ton agenda. Et nous nous sommes là pour dire, sers-toi de nous. Oh Jésus. Et comme tu as fait le bien, nous aussi nous sommes là pour faire le bien. Comme tu as guéri, nous aussi nous sommes là pour être des guérisseurs. En ton nom, pour guérir ceux qui sont sous l'emprise du diable. Comme tu as détruit les œuvres des ténèbres, nous aussi, nous sommes là pour être des destructeurs des œuvres des ténèbres. Pas des cohabitants, pas des cohabitants, non, pas des cohabitants, mais des destructeurs de ces œuvres. Oh, nous sommes là pour suivre tes traces, pour faire ce que tu as fait, pour marcher comme tu as marché. Nous sommes là, nous sommes là. Pour être réquisitionné. Nous sommes là parce que nous avons répondu à ton appel. Nous avons répondu à ton appel. Nous sommes là parce que tu nous as appelés. Oh, et tu nous as appelés pour nous envoyer. Tu nous as appelés pour nous équiper, nous guérir, nous sauver, nous restaurer, nous consoler, nous rétablir, nous fortifier, nous consumer et nous envoyer. Et nous sommes là afin que tu fasses de nous des missionnaires, des messagers de bonnes nouvelles, des évangélistes, des proclamateurs de la parole, des transporteurs, des communicateurs, des gens qui produisent la foi dans les cœurs des gens parce qu'ils parlent de ta part pour être des prophètes, des porte-parole. Nous sommes là, nous sommes là. Oh, Jésus. Oh, we are here for you, Lord. Jésus. Agneau de Dieu, Jésus.
Nous sommes là pour te servir, pour être tes véhicules réquisitionnés par la gloire de Dieu. Nous sommes la lumière du monde que toi tu as allumé pour aller briller à la bouche. Pour être armé, pour être équipé, pour être revêtu, pour être habillé, pour être investi, pour être consumé, pour être embrasé, pour être colonisé, pour être possédé, pour être délivré, pour être libéré, pour être fortifié, pour être guéri, pour être relevé, pour être ressuscité, pour être rétabli. Nous sommes là, pas pour un autre, non, non, non. Seigneur, nous sommes les cinq vierges sages. Oh, nous sommes là, désirant l'époux, l'époux bien-aimé. Oh, nous sommes là pour rencontrer l'époux. Nous sommes là, aïe 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 aïe. Ah, la marche, la nabo kodosé. Oh, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un autre. Nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous. Nous ne sommes pas là pour nous servir de toi. Nous sommes là pour te servir toi. Oh, nous sommes là. Ceux qui veulent se servir, ce sont ceux qui viennent seulement pour recevoir. Mais nous ne voulons te dire que nous sommes. Nous sommes là tout d'abord pour être tes instruments, pour être possédés. Pas de cohabitation, non, non. Pas de mélange, non, non, non. Pas de cohabitation, non, non. Que tu sois le seul sanctifié, que ces corps soient tout entiers, que ce temple soit tout entier. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour nous offrir. Ah, ah, là, là. Arreto si malan, chelema, silema, royere, maria, verama. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, pour être conduit par toi, en berger de nos âmes, pour être éduqué par toi. Être utilisé par toi, être des missionnaires, des messagers de bonnes nouvelles, des lumières qui brillent dans le monde, des scènes qui assaisonnent la terre, des lumières qui éclairent le monde. Seigneur, nous sommes là, nous sommes là. Tout entier à lui. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là.
sommes là. Nous sommes là. Oh, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, et nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Comme Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, nous sommes là. Comme Pierre, Jacques et Jean. Seigneur, nous sommes là. Avec toi sur la montagne. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons contempler. C'est toi que nous voulons aimer. C'est toi que nous voulons adorer. Nous ne sommes pas là pour nous. Mais Seigneur, nous sommes là. Nous disons à nos besoins, attends. Nous disons à nos défis, attendez. Pour l'instant, nous sommes là. Parce que sur la montagne de la transfiguration. Voilà pourquoi c'est sur la montagne. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur la montagne. Les démons, c'est dans la vallée. Les maladies, c'est dans la vallée. Mais là, sur la montagne, c'est là qu'on acquiert l'autorité que les autres n'ont pas. C'est là qu'on acquiert la contemplation que les autres n'ont pas. C'est là qu'on accède à la connaissance à laquelle les autres n'accèdent pas. Nous sommes là, sur la montagne. Nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là premièrement. Seigneur, nous sommes là. Ah, ah. Aujourd'hui il n'y a que lui. Là il, tu es sur la montagne, tu es sur la montagne, là, tu es sur la montagne. Tu ne peux pas regarder la maladie, tu ne peux pas regarder au démon. Non, ça c'est dans la vallée, c'est dans la vallée. Là c'est lui d'abord. Nous sommes là. Nous sommes là. Il veut te rencontrer. Il veut se révéler. C'est là qu'il y a la transfiguration. C'est là qu'il y a la métamorphose. C'est là qu'il y a la transformation. Nous sommes là. Seigneur, nous sommes là. Oh, nous sommes là. Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons là. C'est là qu'il faut être. Seigneur, c'est bon, il est bon que nous soyons là. Ici, là, c'est là qu'il faut que je sois. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Contempler. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, et pour t'admirer. Nous sommes là. Nous sommes là. Pour te découvrir. Nous ça fait longtemps qu'on te priait. Nous mais nous sommes là. Nous sommes pour, là. Pour te voir. Tel que tu es. Nous sommes là. Élève la voix, parle-lui, contemple-le, adore-le. Là, il n'y a que lui, il n'y a rien. Sur la montagne, là, il n'y a personne. Fais abstraction de tout le reste, tout le reste. Ne regarde personne, ne pense pas à ta situation, ne pense à personne. Regarde-le et les regards fixés sur Jésus, l'auteur de votre foi. L'auteur et le consommateur de votre foi. D'autres versions disent l'auteur de la foi. Et celui qui l'amène à la perfection. Contemple lui, 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 Jésus, lui. La bara, je ne t'entends pas. La malaros. Allez. Shibala la 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 la
C'est lui, sur lui seul, sur lui seul. Les malades Digne, dignes-tu, Seigneur, digne d'être adoré. Worthy is the Lamb. Digne, oh digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh digne tu, Seigneur. Digne d'être adoré. Digne d'être remercié. Loué et adoré. Digne, 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 digne. Digne, oh digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié. Digne d'être remercié. Loué. Loué et adoré. Héros de ma vie. Digne, oh digne tu. D'être loué et d'être adoré. Encore une fois, digne l'agneau qui est sur le trône. Et digne, digne d'être remercié. Pour tes bienfaits et compassion, tes projets que tu as déjà accomplis. Oh, digne. Rédempteur de ma vie, rédempteur de ma destinée. Oh digne, 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 digne. Rédempteur de ma royauté, rédempteur de mon intelligence. Rédempteur de ma puissance et mon honneur. Rédempteur de ma magnificence, de mon éclat que j'avais perdu. Rédempteur de ma santé, rédempteur de mon corps, rédempteur de ma dignité. Tu as pris mon humiliation, mes maltraitances. Tu m'as rétabli une dignité. Tu as effacé les souvenirs des viols et des abus dans mon enfance. Digne, 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 digne. Digne, digne tu, Seigneur. Digne d'être remercié. Rédempteur de mes mains. Rédempteur de ma force. Rédempteur de ma domination, de ma richesse, de ma diligence, de ma productivité. C'est à cause du prix que tu as payé que je ne suis plus faible. Non, je suis désormais fort. Oh, à travers toi, voilà pourquoi il est écrit que le faible dise je suis fort. Je ne subis plus parce que toi as racheté. Tu es le rédempteur de ma domination, le rédempteur de mes pieds, de ma solidité, de ma stabilité, de mon autorité. Tu m'as redonné le pouvoir de commander et d'être obéi. Oh, digne es-tu, Seigneur, rédempteur de mon âme, rédempteur de mon cœur,
Il était rempli d'amertume, rempli de forteresses. Mais depuis la rédemption, tu m'as racheté. Et désormais, mon cœur est tout entier à toi. À la croix, tu as racheté ce cœur. Voilà pourquoi désormais l'amour de Dieu peut être répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne suis plus obligé d'être prisonnier de l'amertume parce que tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié. Digne, 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 digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Agneau de Dieu, digne, digne tu Seigneur, digne d'être remercié. Loué, chantant, 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 alléluia, agneau, agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantant, alléluia, louange au mon roi. Alléluia. Agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons alléluia. Louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur. Seigneur, 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 tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, 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 tu es plus beau que le diamant. Arraché la rama, la rama, la roche, les malaros. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oh, dis-lui, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, ah, je veux te dire que tu es plus beau que le diamant et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, 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 j'ai regardé dans les bijouteries, j'ai regardé dans les salons de luxe, j'ai regardé partout dans les magasins. Je peux dire amen désormais, je peux attester, je suis même allé dans les boîtes de nuit, j'ai regardé les femmes, j'ai regardé tout, j'ai parcouru la terre, j'ai essayé les marques de luxe et je peux attester. Seigneur, j'ai essayé le sexe, j'ai essayé le péché, j'ai essayé les femmes, j'ai essayé la jouissance du monde. J'ai même essayé la richesse, mais je peux te dire, j'ai voyagé en première classe, mais je peux revenir en sortant de l'avion, reconnaître Seigneur, 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 Seigneur. J'ai essayé les belles voitures, je suis monté dans les voitures les plus luxueuses, mais je suis sorti de là en reconnaissant Seigneur. Oh, j'ai testé, j'ai voyagé, peut-être pas toi, mais j'ai été dans différents endroits.
J'étais à New York, j'étais à Miami, j'étais à Dubaï. J'ai vu les belles choses de la vie, ce que les gens vont chercher. J'ai vu le bling bling, j'ai vu les plaisirs du monde, les voitures de luxe. Mais j'en suis arrivé à une conclusion, rien, rien ne peut. Non, 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 non. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, ah, oh non, sur la montagne de la transfiguration, quand j'ai vu la gloire, il n'y a rien qui peut comparer, rien ne peut égaler. Voilà pourquoi la Bible dit seulement, ses yeux étaient comme, ce n'est pas le soleil, son aspect était comme le soleil. Seigneur, je veux te dire, Malamazidomaya, il y a un adorateur véritable qui a envie d'émettre une mélodie en l'honneur de son Rédempteur. L'Esprit me dit ce soir, c'est lui que vous devez contempler, adorer, parce que sans lui, je ne serais pas venu habiter en vous. Sans lui, vous ne seriez pas devenu une nouvelle création. C'est lui le héros, c'est lui qu'il faut aimer, c'est lui qu'il faut désirer, c'est lui qu'il faut remercier, c'est lui qu'il faut contempler. C'est à lui qu'il faut s'offrir, le Créateur, le Dieu fidèle, le Dieu véritable et la vie éternelle. Rien, non, non. Seigneur, 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 tu es. Je ne sais pas pour les autres. Oh, il y en a peut-être pour qui? Le plus précieux, c'est le sac Dior Chanel, mais pour moi, oh, mais pour moi, oh, il y en a des hommes pour qui le plus important, c'est la Maserati, mais non, pour moi, rien, non, 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 rien ne peut se comparer, non, 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 Maria. Gloire, gloire,
connais que l'eau. Nos élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons gloire, gloire. Gloire, nous célébrons gloire à l'agneau. Nous adorons, nous proclamons, nous accueillons gloire à l'agneau. Être contemplé. L'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône.
ce que te l'envoya. Pour notre roi des rois, pour notre roi. Contemplation pour notre roi des rois, pour notre roi des rois, pour notre roi, alléluia, pour notre roi des rois. Notre roi des rois. Seul est le malheureux, seul est le malheureux, malheureux. Chame la réma, maréchal à la bonne aussi la rama. Chez les malheureux, il est. Notre roi des rois, honneur, louange et action de grâce. Amen. 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 Notre roi des rois. Notre roi des rois. Amen. Pour notre roi des rois. Amen. Et là les marches. Amen. Pour notre roi des rois. Amen. Pour notre roi des rois. Amen. Pour notre roi des rois. Amen. Par la rose et les marches. Chale pour notre roi des rois. Par la louange. C'est la force et l'action de grâce. Amen. Ah, la masse de la gloire. J'ai de la gloire. Amen. Lord, we thank you. It's all about you. Nous te rendons grâce, Père. Nous te louons, te célébrons, te rendons la gloire. Héros qui nous a sauvés. Sans toi, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit. C'est toi le héros de l'histoire. Chalalala. L'élo-lo-bosh. Sans toi, il n'y aurait pas eu une nouvelle création. Sans toi, il n'y aurait pas de nouvelle vie. Sans toi, il y aurait eu l'apparence extérieure de la religion. Il n'y aurait pas eu la piété à l'intérieur. Il n'y aurait pas eu la loi de Dieu dans nos cœurs. Il n'y aurait pas eu la capacité de Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te louons. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Ah, comme tu nous as aimés le premier. Accorde-nous la grâce de te servir. Pas de nous servir de toi, mais de te servir. D'être tes véhicules, tes instruments, tes messagers, tes missionnaires, partout sur la terre. Tes messagers de bonnes nouvelles. Rends-nous des millions dans notre époque et dans notre génération. À partir de cette plateforme uniquement, enfante-nous des millions, enfante-nous millions en millions
te rendant la gloire. Aucune offrande, aucun sacrifice. Rien de ce que nous pourrions donner, faire ou dire ne pourrait égaler ton sacrifice. Alors nous te rendons la gloire de ce que nous t'appartenons. Parce que nous sommes à toi. Et toi aussi tu es à nous. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour comment tu nous conduis par ton esprit. Merci pour tout. Merci pour la fin de la première semaine et la deuxième semaine qui commence. Thank you. We thank you. We thank you. Merci. Chaleureux. Merci pour l'école du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits. Ce soir, c'est Jésus sur le trône. Ce soir, il a dit, je vous emmène sur la montagne de la transfiguration, il n'y a que lui. On ne parle de personne d'autre. On ne voit personne d'autre. On ne parle pas de démons. Ça, c'est quand on descend de la montagne. Sur la montagne, n'est que sur lui. Mais souviens-toi que le but de la montagne, c'est la transfiguration. Et que le but de la transfiguration, c'est l'irradiation. L'irradiation, ça veut dire que dans la contemplation, tu deviens exactement comme celui que tu es en train de contempler. Et quand tu descends de la montagne, ton niveau d'autorité a changé. Parce que les mêmes démons qui te résistaient, soudainement, ce n'est plus toi qu'ils voient. C'est la gloire que tu transportes. Parce que tu étais irradié, foudroyé. Alors mon frère et ma soeur, ne sous-estime pas la puissance de la transfiguration. Ne sous-estime pas la valeur de la montagne. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous raccompagner. Merci de nous attacher. Merci de faire ton œuvre en nous. Ton œuvre sur nous. Ton œuvre par nous. Merci d'être l'édifice que tu bâtis. Nous sommes reconnaissants pour ton agenda, tes projets parfaits déjà accomplis, que le Saint-Esprit rend manifeste. Merci pour les délivrances, les guérisons, les restaurations, les percées que tu as déjà accomplies. Et que tu vas continuer d'accomplir. Sur l'application Smart ICC, nous avons mis, posté deux podcasts de 20 minutes maximum. C'est des recueils de témoignages qui sont déjà arrivés. Mais il y en a tellement qu'on va compiler dedans. Et ils sont également distribués sur WhatsApp. Quand tu les as écoutés, partage-les. Ne les garde pas pour toi. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ce que tu fais. Ce n'est que la fin de la première semaine. Mais tu nous as tellement déjà donné, tellement déjà comblé. Nous te sommes reconnaissants. À toi la louange et la gloire et l'honneur. La sagesse et la force, l'action des grâces. Au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit
puissance est lourde ici. L'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, et la communion du Saint-Esprit. Va avec cette présence. Va avec cette gloire. Tu as changé de niveau. Nous lui avons demandé d'aller de gloire en gloire. Il y a un poids qui a été relâché ce soir, qui n'existait pas. N'existait pas. Nous te remercions.